le Twins, le Twins. Et toi? Ça va ou quoi? Cool. La forme? Toi, t'as des fraises, t'as des trucs. Ah, mais oui, eh, bien. Ça va ou quoi, mon frère? Ça fait longtemps. Ça va, toi? Attends. Eh. C'est vraiment des crapules. Alors, regarde. Regarde, c'est pour vous. Regarde. Regarde ce qui est écrit, frère. Sur le oh, c'est des cires. Vas-y, prends en photo. Attends, attends, si, si. Attends, si, si, tu vois, il y a écrit là, toi. Non. Prends en photo, c'est pour toi. Et alors, tu peux remercier Mohamed qui est là, c'est lui qui l'a fait. Mohamed, délice du panier. Délice du panier. Ah ouais, bah oui, vous avez pas vu. Non, vas-y, on n'a pas de caméra portative, mais. Eh, qui l'y cru? Qui l'y cru qu'on aurait des prix comme ça? Eh, excusez-nous. Regardez-moi ça. Vous savez, ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Ah, bah attends. Et c'est des super bons fruits. Ça déchire. Ah non, ça blague pas. Tiens, je vais mettre ça là. Oh, je vous ai même pas voilà, donné un hashtag. Je suis désolé. Voilà, mais déglinguez ça fort. Je m'assois là. Bah ouais, mettez-vous là. Hop. Tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a pas de nom là-bas. Tu peux danser. Tu sais que. Tu sais que comme. Je sais que. Attends. Alors, donc, les Twins, merci habituellement. Merci de m'inviter en fait. Bah merci déjà d'être venu. C'est gentil. Il est pas là, ton frère? Il arrive. Et on a pas rien. Ah ouais? Ouais, et vous n'étiez pas ensemble. Vous étiez pas ensemble. Si, mais il aime pas ma façon de conduire. Mais non. C'est vrai? Parce que je conduis trop vite. Oh non. Mais non. Les keufs m'arrêtent beaucoup de fois en général. C'est vrai? Donc bah, il a pris un autre moyen de locomotion. Non, mais en fait, j'ai la chance qu'il m'aime. Il m'adore. À chaque fois qu'il m'arrête, monsieur, sortez de la voiture. Je sors de la voiture, je me sens trop tard. Retournez-vous. Au papier, vous sortez lentement. Tenez. Je regarde le nom, il fait. C'est ce qui vous est arrivé? Ben ouais, rouler à 130 sur une route de 30. La voiture, vous la prenez et je me fais incarcérer. Je suis là 2 jours et je dois avoir un bon avocat. Il me fait. La seule question qui peut vous sauver, c'est celle-là. Beyoncé ou J-Lo? Ah, mais non! Je l'ai mis sur Instagram, j'ai mis en live. Arrêtez comme ça. Beyoncé, refait. Je suis désolé, je suis. Mais dans ma carte, c'est soit tu me prends quelqu'un pour que je puisse faire de la hagra, ou soit tu me prends quelqu'un pour que je puisse être en bonne. Je fais, je suis bien avec Bill, c'est tout. Ouais. Allez, faites attention sur la route, monsieur, fini. Mais non. Je te jure, j'ai mis son Instagram en live, c'était bon. Incroyable. Je vais faire changer mon nom, je vais m'appeler Bourgeois moi aussi. Mais non, c'est les Twins qui a marché. Bourgeois, ça va marcher. Mais il n'y a pas écrit ça sur ta carte d'identité, il n'y a pas écrit les Twins. Ouais, mais ils ont reconnu que c'était l'un des deux. Il m'a dit, oh, t'es pas le type, parce que tu vois bien écrit Sarcelle, Larry Bourgeois. Je pas donné mon adresse, mais voilà. Oui, oui. Mais ouais, okay. J'ai gardé l'adresse de maman. Bon, et ton. Bah si, il est bloqué sur le trafic. Non, c'est Pauline qui me demandait, il est où le frère? C'est Laurent, le frère. Mais toi, tu parles à Dieu en même temps que tu me parles à moi. Ah non, mais moi, c'est un truc de ouf, je suis connecté. Eh, Bruce, on s'était pas rencontré il y a longtemps? Bien sûr que si, plein de fois. Bah ouais. Ouais. Et j'étais en train de me dire, mais non, reçois Bruce. Bruce, créateur de Juste Debout. Alors, je vais faire une présentation pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas. Oh. Adorable. J'ai fait ma. Non, mais si, il faut. Non, mais t'es Bruce. T'es franco-camerounais. Exact. T'es né au Cameroun? Non, j'ai vécu 5 ans au Cameroun. Ah, t'as vécu 5 ans, de tes 5 à 10 ans? 5 ans, 10 ans, exact. Ok, d'accord. Bon. T'as découvert à l'âge de 8 ans le moonwalk, quand ton père il t'a ramené une cassette vidéo. Ouais. Et de retour en France, avec ta bande de quartier, les T-Connection. Ouais, putain, c'est chaud. T'as commencé. Ah ouais, non, frère. C'est dur, là, pour moi. C'est RG. T'as intégré les plusieurs formations de danse, TPS, Section C, Boogie Sai, avant de faire partie du crew Ikanji. Exact. Et en 97, tu décides de vivre de la danse et de faire la tournée d'MC Solar. Enfin, c'est lui qui décide de me prendre. Oui, il t'a tourné. Et par la suite, t'es danseur et chorégraphe dans la comédie musicale Lady Command. Ouais. Ah bah. Oh, c'est que je suis fan de comédie musicale. Genre. Non, j'adore. C'était ouais, avec mon pote, avec mon frère Régis, on avait deux gros caractères en plus. Ouais. On était les magiciens. Et du coup, on rentrait tous les deux sur scène, on faisait des King Tut, tu vois, des mouvements ouais. Égyptiens, tout ça, non, c'était super. Truc que tu pouvais faire avant que tu peux pas faire aujourd'hui, quoi. Bah ouais, à l'époque, Ouais, si je l'ai fait aujourd'hui, ça va cartonner quand même. Ouais, oui, je sais. Petit genou. Elle nous bloque, je kiffe, moi. Et en 2002, t'as créé Juste Debout? 2002, j'ai créé Juste Debout, ouais, à Champs-sur-Marne, dans 77. À la base, personnes. C'était quoi, Juste Debout, quand tu l'as créé? Franchement, c'était un pari. C'est-à-dire, on va appeler ça Juste Debout, pourquoi? Parce qu'il bah, y a plein d'événements de break, dont de la danse au sol. Et nous, ouais. On était là, bah, on n'avait pas d'espace pour nous. On s'est dit, allez, on va faire un événement qui s'appelait Juste Debout, francophone, avec un logo européen.
Et du coup, bah, derrière, ça a pris, quoi. Avec l'ascension d'Internet, ça a pris un essor. Donc 400 la première année, 1200 la deuxième, 2500 la troisième, 5000, 6000, 7000, et puis après, Bercy. On a l'affiche, là. Ouais, 20 000. Parce que là, le 1er mars, et c'est à l'Accor Hôtel Arena encore ? Accor Hôtel Arena. Combien de temps, là, que tu fais Bercy, là ? 12, c'est le 12e Bercy, là. C'est vrai, frère. Ouais. 12e Bercy. Je m'applaudis. Bravo, je m'applaudis. Bravo, Bruce. J'applaudis l'équipe qui bosse dur aussi. Merci, c'est gentil, c'est vrai. Bah, ouais. C'est vrai que tu fais pas Bercy tout seul. Ah non, non. Il y a 2-3 personnes en régie. Non, franchement. Ouais. Et Larry, je vais faire une présentation, j'ai essayé d'être le plus... Si je dis une connerie, tu m'arrêtes. Déjà, vous aviez des blazes, j'avais pas capté ça. Toi, c'est... Blaze. Blaze. Just Blaze. Just Blaze. Ça, c'est mon gars, Just Blaze. En fait, c'est une histoire parce que c'est K-Blaze. Ouais, câble. J'explique comment ça s'est passé, c'est que c'est en histoire courte. Hein. C'est juste que quand j'étais petit, Laure et moi, on avait nos cassettes qu'on achetait dans la rue parce qu'on n'avait pas assez, on n'avait pas assez d'argent pour acheter des CD. Donc en fait, on attendait des mecs qui venaient, ils disaient ouais, ça c'est dernier cri, dernier son. Et sur le truc, il y avait écrit Capone. Donc j'ai commencé à m'appeler Capone, mais sans savoir que c'était Capone et Noriega. Et je savais pas qu'il était connu, parce que moi dans ma tête c'est un mec qui me donnait des cassettes, fait il avait, c'est quelqu'un qui faisait des bonnes choses. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il existait déjà, ben j'ai retiré le A, j'ai dit ça va être quoi ton blaze, j'ai mis un Cap Blaze. et ton frère Laurent c'était Lil Beast. C'était Link au début. Link. Et il a rencontré un danseur de Elite Force qui venait des États-Unis, qui est venu au Globo à Paris et dont Habibou, mon coach, avait fait des bonnes soirées au Globo, qui était le mercredi soir. C'était incroyable, les meilleurs moments de ma vie. Et on est tombé contre un mec il fouettait tout le monde un par un. Il s'appelait Link. Et Laurent il est arrivé devant lui. Il a dit, hey, mais mon nom c'est Link aussi. Et là ils ont dit, oh, 1000%, ça veut dire battle. Ils ont fait un battle Link a adoré Laurent. Il a dit, you're a beast, you're not Link, you're a beast. Il a dit, bravo, c'est le chorégraphe de Mariah Carey, danseur de Michael Jackson, pionnier du hip hop. Ah oui, d'accord, bonjour. Ah oui, d'accord, c'est pas un. C'est marrant parce que je viens d'apprendre un nouveau terme que je connaissais pas dans le monde du battle, c'est 1000%, c'est un battle. En fait, oui, c'était. Parce que moi, je connaissais ce geste. Ça, c'est quand tu pompes en geste. Ça, c'est quand tu pompes. Ouais. Ça détruit un danseur tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Pomper, c'est copier. Hein. Oui, c'est quand tu copies. Oh, le geste. C'est quoi pomper? Commence pas toi. Mais c'est vrai, c'est ça. Mais ouais, quand on dit 1000% à l'ancienne, c'est plus encore aujourd'hui. Ouais, quand tu dis 1000%, ça veut dire battle. Donc toi, tu as grandi à Sarcelles avec Laurent. Ouais. Et vous êtes 9 frères et sœurs et vous êtes tous jumeaux à chaque fois. C'est 3 paires de jumeaux? Non, on est 10 garçons, 8 filles. Ah d'accord, 10 garçons, 8 filles. Mais de ma mère et mon père, ah, oui. 5 garçons, 4 filles. D'accord. Et mon père de jumeaux. Ah, d'accord, ok, d'accord. Les derniers. On a une photo de quand vous étiez petit peu. Là, je suis où? T'es le jaune. Ah, ouais, t'es jaune. Non. Mais non. Ah, yes, ça, c'est mon gars. Ah, mais oui, attends, excuse-nous. Alors après, j'ai lu un truc de fou en 10 minutes. Tu participes à Incroyable Talent avec ton frère, ça, je m'en souviens. Vous êtes finaliste, vous arrivez 6e sur 12. Mais comme vous avez fait une bonne impression, vous êtes retrouvé au Trévis. Je me souviens, il y avait des pubs dans le métro et toi, l'ancienne. Voilà. Et en fait, en dansant sur l'avenue des Champs-Élysées en 2008, vous rencontrez Alicia Keys. Ouais. Qui vous dit. Sur la scène quand. Au Zénith. Ouais. C'est un truc de ouf, ça. Fou. Et après, donc il y a eu quand vous avez fait le World of Dance. On peut s'arrêter 2 secondes sur cette rencontre. Non, il y a des trucs de ouf après aussi. C'est vraiment les gens se disent, mais c'est quoi en fait? C'est que t'as eu de la chance, mais dans tous les cas, la chance, même si elle arrive une fois, ben, quand tu mets sur scène, il faut que tu utilises cette chance-là. Ouais, sinon, tu tues. Parce que si tu tues pas et t'as eu de la chance, ben t'es nul. Ben heureusement que j'ai un don que j'ai pas eu à pratiquer, mais c'est vrai que j'étais dans la rue, en face du VIP room qui était avant. Sur les Champs-Élysées, parce que sur le VIP room de Rivoli, c'était La Scala. Ouais. Oui, je suis vieux, les gars. Ah oui. Donc, ah, le frérot, Laurent est là. Ah. Laurent. Pam, 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 pam. Ouh. Oh, il connaît ses classiques. Laurent, Wolf, God, show me the win. Il a tout fait. Laurent, c'est un cadeau de Mohamed qui est derrière. Il vous a fait un plateau de fruits. Il y a écrit les Twins dessus, frérot. Oh, c'est trop. Dans un melon. Oh, c'est trop bon. Ah ouais, enfin. Mais écoute, il est là. Tu pourras le remercier, les derrière. Oui. Mohamed, lève-toi, allez faire un signe. Mohamed, bien sûr. Je t'en remercie, je t'en remercie. J'étais en train de parler de votre carrière. De votre carrière. Ça commence. Donc, on parlait d'Alicia Keys. Il y a le World of Dance à San Diego. C'est la première reconnaissance mondiale, en fait. Oh, oui. C'était de. Et il y a une vidéo, moi, que j'avais kiffé. Et c'est grâce à vous que j'ai découvert un son de Michael Jackson.
que je connaissais pas avec Santana. Whatever happened. C'est pas le meilleur jour de ta vie quand tu as écouté cette musique. Ah, franchement. Sans nous. Hein. C'est ah ouais. pas le meilleur jour de ta vie. On a la vidéo en plus. Regarde. De quand tu l'as écouté? Ouais. C'est grâce à toi que j'ai découvert cette chanson, tu te rends compte? Et je l'ai fait découvrir à plein d'autres gens qui m'ont dit, mais c'est quel album? Je me suis dit, frère, tu connais pas? C'est fou. Ouais, par contre, je l'ai pété déjà. Ouais, après, frère, alors que je le connaissais pas il y a deux semaines. Frère, mais c'est pas un vrai, toi, t'es pas un OG. C'est vrai, c'est musique pour faire très très court. En général, le moment où. Il y a un truc qu'on s'est toujours dit, on a dit, tu sais quoi, si papa devrait nous voir, et on appelle pas Michael Jackson papa, on se dit, si papa devait nous voir, chaque show doit être un show que lui n'a jamais performé. Donc on va performer sur ses musiques que lui, il n'a jamais performé sur scène. D'accord. C'est ce qu'on s'est dit. Ah, et bon, ça a marché. Il nous a reconnus. Il nous regardait nos vidéos. Il nous regardait nos vidéos presque tous les jours. Presque tous les jours. Et on a été appelé par sa famille. Il nous disait tous les jours. Sa famille, son dit, ouais. Sony, on nous voit, son dit, Michael Jackson, vous tapez votre nom tous les jours pour voir. C'est pas vrai. Moi, j'imagine, j'arrivais pas. Et vous l'avez rencontré? On était à deux semaines de rencontrer pour qu'on puisse faire l'ouverture de son show à Londres. D'accord. Donc, au début, ils nous ont demandé d'être. Ah, bah, aux deux Arena, là, qui devait avoir tous les concerts. Voilà, ouais. C'est ça. Bah, ils nous ont pas demandé d'être sur scène avec lui, ils nous ont demandé de faire l'ouverture. L'ouverture. Ah, putain, ça, c'est son un truc de dingue. C'est cool, ouais. Ah, ouais, c'est un truc de ouf. Et ensuite, franchement, vous avez une carrière de dingue parce que là, je regardais. Et je vais y aller vite parce que tu vois, déjà, il est déjà 20h22. Ah, c'est un mais... fiche de l'heure. Non, mais après, les autres, ils me diraient, nous, on a une émission. Parce qu'entre la Fashion Week avec Jean-Paul Gaultier, Juste Debout, du coup, en 2011, vous avez remporté Juste Debout en 2011. Au la main, apparemment. Vous rejoignez la tournée de Immortal World Tour, Michael Jackson avec le Cirque du Soleil. Ouais. Vous rejoignez le rappeur Big Sean sur la scène du défilé de Kanye West à la Alfresina à Paris. Puis Missy Elliott, Timbaland. Et frère, World of Dance en 2017 encore. World of Dance, en plus, quand tu gagnes le concours de danse, c'est un concours de danse aux États-Unis, il n'existe pas encore en France, tu repars avec $1 million, s'il vous plaît. Oh là là, s'il vous plaît. Beau, ça. S'il vous beau. Plaît. Ouais. Make it rain, motherfucker. Et des Français en plus. Et oui. Eric, les meilleurs danseurs au monde, c'est des Français. Ils sont deux, ils habitent à Sarcelles. La Hesse. On descend encore. Et moi, je vous ai vu au Stade de France, aux côtés de Queen Bee, Beyoncé. Et on a une image. Pauline, elle me dit, il faut qu'on voit l'image. On va voir l'image, on va voir l'image. Parce que... Ah, mais ce pas-là, je sais le faire en plus. Ah, je sais. C'est pas, il faut être gainé, ce deux steps-là, c'est Signature Twins. Ah, est-ce bah que oui. Tu te rends compte? Tu sais que même ça, c'est dans Men in Black. Est-ce que tu te rends compte? Bah oui, c'est vrai, vous étiez dans Men in Black aussi. Le... Ouais. C'est incroyable. Faut vraiment. Ouais. Ouais. Aussi, ouais. Bah oui, non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et vous, vous êtes rencontré quand avec Bruce? Toute ma vie. C'est comme le frère mentor que tout le monde regarde et on apprend par. Les erreurs que lui, il fait. C'est tout se passait bien, en fait, jusqu'à ce qu'il dise erreur. Non, mais c'est genre, c'est, putain, mais Bruce, c'est le rêve. Ouais, mais tu vois, tu sais, comme je te dis, tu sais, le lion que tu vois, qui est comme ça, que tout le monde est en train de saluer, mais tu vois, derrière le lion, tu vois plein de couteaux, bah, lui, il les a vraiment pris pour nous, tu vois. Mmh. Et tu vois, ce mec-là, il dit, ouais, attends, c'est quoi? Je sais que Jean Machin, il te voit comme ça, il te déteste, c'est ce que tu penses, mais en fait, il t'aime. Donc continue comme ça, ne pense pas. Ouais, bah, toujours régler. Parce que nous, on a pensé différemment. C'est pour ça qu'on a fui la France un peu. Il n'y avait pas que des gens comme vous qui écoutaient des gens à part. Ça veut dire que même si on n'a pas le même rêve, on est dans tous les cas deux rêveurs. Et il y a des gens qui ne vous donnent pas cette chance. Et donc tu rentres dans un trou noir et tu te dis fuck everybody. Et en fait, non. T'as des gens autour de toi, ta team qui me dit non, mais hey, t'as des gens qui te regardent, continue. Et ça, c'était ces gens-là qu'on avait à côté. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment partie de la France, mais on est encore une petite partie de la France. Non, mais au-delà de ça, moi, je dis souvent, et les gens ne prennent pas conscience, c'est que j'ai vu des millions de danseurs dans ma vie. J'ai 35 ans de danse dans mes pattes, tu vois. Donc je n'aurais pas mon âge. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai 43 piges. 43 piges, ouais, 43 piges. Donc, du coup. Justin Timberlake. Hein. Oh, ouais, c'est avec 10 kilos en plus. Non, chez Marmour. Non, Ryu. Rock Lee. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vu des danseurs avec autant d'énergie.
Ouais. Quand je suis en tournée avec eux, les gens disent alors, ils te suivent en tournée ? Non, non, c'est moi qui les suis. Ah non, c'est trop. C'est trop. Et puis, une générosité. Voilà, et puis c'est des killers depuis tout jeune. Moi, je les vois, je kiffe. Et c'est vrai que le public français a du mal à supporter, ouais, ses pères, en général. Ouais, et ben, j'allais demander en plus. Comme maintenant, vous êtes tous, même toi, à l'international, vous avez bossé avec tout le monde, etc. C'est quoi l'image qu'ils ont dans votre milieu de la France ou de notre façon de faire ? Je vais répondre franchement. Même les gens de Sarcelles me parlent en anglais. Pourquoi ? Le tweet, c'est photo, picture. Vas-y. Là-bas, je regarde la boulangerie. On était ensemble, on s'est tapé dessus, tu m'as défoncé. Tu te rappelles ? C'est genre, ouais, non, c'est yeah, picture, no problem, come on, my brother, come on. Hey, mon brother. Non, je fais pas cliché. Hein. C'est vraiment ma vraie vie. Je te jure, les gens que je connais depuis tout petit, même parlent en anglais. C'est maintenant, c'est juste pour tenir aujourd'hui la photo dans laquelle où les gens ont même oublié que j'étais français, tellement que je suis international, ouais, tellement que j'ai réussi, tellement que j'ai attitré à cette icône de légendaire danseur comme les Nicholas Brothers, de venir aujourd'hui à se dire que même les plus grands artistes du monde me connaissent. Ça fait du bien, mais on n'a pas fini. En plus, t'as la musique qui arrive, c'est incroyable. Bah oui, parce qu'en plus, vous rappez. Ouais, il rappe. Ce qui m'éclate avec eux, je sais pas si t'as remarqué, il dit je, mais il parle pour eux deux. Tu sens quand il dit je qu'il parle pour les deux. Il me dit ouais, j'arrive et ils viennent à deux. Bon, bah d'accord. Ça y est. C'est super marrant. Sur le chat, ça dit quoi ? On est concentré. Ça dit plein de choses sur le chat. Ça lâche des cœurs partout. Il y a quelqu'un qui a dit franchement, un film sur eux, ce serait parfait. Une histoire de ouf. Les twins sont en place depuis. Belle réussite. Ben ouais. Non mais franchement, Non, qui a lâché mon blaze quand même. Il est venu plein de fois ton blaze. Ouais, t'inquiète, ils savent. Non mais mon nom de famille, j'ai pas trop kiffé. Et là donc, ça veut dire que le rap ça va reprendre. Ouais, là normalement ce mois-ci, dès qu'on a fini avec le Juste Debout le premier. Ouais. Avec le 3, à partir du 3, on commence déjà notre normalement deux hits, deux bons sons qui sortent avant summer, avant l'été. Ah, lourd. Et qu'est-ce qu'on va avoir là sur le 1er mars pour Juste Debout ? Qu'est-ce que tu penses ? Bon, bah déjà, je vais vous dire, il faut venir, parce que l'ouverture des portes, c'est à midi. Ouais. Et ça commence pile à 14h. C'est pas les battle hip-hop, tu vois. Oh, arrête. Oh, la parole, gâche pas, tu perds, là. Arrête. Laisse-moi lire les commentaires, là. Il n'y a aucune organisation qui commence à l'heure, ça n'existe pas. Croiser des frères. Ça n'existe pas. Julien, je t'explique. 14h, on est là, et 14h, on ouvre le show. Les gars, et c'est eux. Tu veux faire un pari ou pas ? Qui ouvrons le choix avec la danse. Tu seras là. J'aurais dû dire 13h pour vous. Parce que vu comment t'es arrivé en retard, toi. Oh. Et tu sais quoi ? Oui. Non, mais tu vois. Bon, 14h, ouverture du show, avec un show d'ouverture, voilà, ça va être chambé. Et derrière, bah voilà, après, c'est les battles qui s'enchaînent avec des danseurs du monde entier. On a été sur 4 continents. USA, Afrique, Asie, Europe. Ah, pourquoi vous rigolez ? Mais non, ils me font rien. Qu'est-ce qui s'est passé en Asie ? Il n'y a rien qui dit qu'il se passe vraiment. C'est pas vraiment passé comme ça, mais. Bah, si, ça peut être. On était sur 4 continents, qu'est-ce que je dis ? Eh, mais tu sais quoi, j'avais prévu tellement de choses pour vous, notamment. Là, rien. C'est-à-dire qu'il faut nous réinviter encore, les gars. Non, mais parce qu'en fait, j'avais un quiz. J'avais un quiz très simple, je peux vous poser une question. En fait, je vous pose une question, si vous répondez bien, je vous montre un message sympa qu'on a trouvé sur vous. C'est ton père là-bas ? Non, c'est WAM, quand j'avais des cheveux de blanc. Tu te fous de moi ? Non, si, c'est vrai. C'était pour mon mariage, il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Tu t'es marié ? Ouais. Ah ouais ? Oh, c'est beau, machallah. Ah, ça a rien, tranquille. Mais c'est très beau, de quoi tu parles ? Et non, je voulais pas mettre ça chez moi, et donc du coup, j'ai... Un jour. Non, je vous pose une question, si vous répondez bien, on met un message sympa qu'on a trouvé sur les réseaux. Si vous répondez mal, on met un dossier qu'on a trouvé sur les réseaux. Ok ? Vas-y, quiz. Qui est l'initiateur du breakdance ? L'initiateur. Pas sur le premier qui a fait du break. L'initiateur du breakdance. Là, c'est toi, pas possible. C'est un DJ. DJ Premier ? Ouais, alors non. Hein ? DJ Premier ? Non. Non. Cool Herc. Oui ! Donc toi, tu n'auras pas de dossier sur toi. Voilà. Je monte le premier dossier sur les twins, s'il vous plaît. On balance le premier message. Qu'est-ce que ça va être ? Regarde ce que tu fais. Moi, genre, tu break. Non, c'est pas mal. Moi, j'ai connu les Twins au Gibus. J'étais sorti avec Larry, mais j'ai découvert que c'était Laurent qui me gérait. Les bâtards. Vas-y, Larry. Tu sais que c'est arrivé. Hey, c'est bon, ta le meuf, jour, maintenant. C'est bon, c'est bon. C'est qui, c'est bon. Tu t'appelles comment? Non, ouais, on va passer. Arrête, je suis obligé de rendre l'antenne. Arrête, tu paras, attends, frère. Quoi? Parce que là, juste après, il y a David Michigan. Tu m'as volé ta meuf. Qui va être invité. Ah, on va en parler. C'est toi.
Juste après, il y a David Michigan qui a invité dans le QG à partager avec Guillaume Play. Après, on a Guillaume Play avec qui reçoit Léa Lalui, celle qui est le plus suivie sur Instagram en France. Et il y aura Fanzine avec les frérots. On va en parler après avec les frérots Wax et Gérard Bast. Et nous, Social Club demain, on revient à 19h et on va faire la suite de ce truc-là parce qu'on a des dossiers. Il attendait que ça. 1er mars. Il attendait que ça. 1er mars à l'Accor Hotel Arena, juste debout. Hey, je compte sur vous. Ah putain, franchement, à demain tout le monde. C'est la plus belle émission.